Un plaisir de vous retrouver pour cette édition du soir. Voici les titres. Chaque année, le 3 décembre est l'occasion pour un certain nombre d'acteurs de faire un focus sur les actions menées autour du handicap et en faveur d'une société plus inclusive. C'est la Journée internationale des personnes handicapées. Au nombre des aliments les plus prisés figure le pain. Croustillant, dur, aux céréales, noir, croquant ou tendre, le pain existe dans une infinité de déclinaisons, découvertes de cet incontournable dans l'alimentation. Et enfin, on aborde la place et l'importance des œuvres littéraires pour le développement. Happy Goudou, gestionnaire de patrimoine, nous en parle dans un instant. Merci à vous de nous choisir. Plus d'un milliard de personnes, soit environ 15% de la population mondiale, vivent aujourd'hui avec un handicap. Et 80% de ces personnes vivent dans des pays en voie de développement. Ce 3 décembre, eh bien, ces personnes sont à l'honneur. En ligne de mire, les obstacles liés à leur plein épanouissement. À Cotonou, une école de sourds-muets œuvre pour faciliter l'inclusion des personnes handicapées au sein de la société. Une équipe de la rédaction était dans cette école pour le reportage. Être handicapé n'est pas une fatalité. C'est une école pas comme les autres. Ici, au centre des sourds-muets d'Agla, on assure un enseignement de qualité aussi bien qu'aux enfants malentendants, qu'aux enfants entendants et qu'aux enfants ayant d'autres types de handicap. C'est une école inclusive qui promeut l'égalité des chances. Commençons par les envoyer à l'école afin qu'ils puissent apprendre à écrire, lire et parler la langue des signes. Tous ces YOCM2, ils peuvent aller au collège. Ceux qui peuvent continuer jusqu'au bac, à l'université, continuent. Mais les autres, quand on voit qu'ils ont des dispositions pour apprendre un métier, on les envoie à l'apprentissage. Ils peuvent apprendre tout de métier. Ézéchiel a 10 ans. Contrairement à la majorité ici, lui est un enfant sans handicap. Il entend bien et s'exprime bien. Sa présence dans ce centre s'explique par sa volonté d'apprendre la langue des signes. Mon papa avec ma maman, ils sont sourds. Ils sont amenés ici pour apprendre les signes. Je connais les signes bien. Je connais bien. Dans ce centre, il existe une section formation-éducation et une section formation professionnelle. Nos moyens nous ont permis seulement de la former en couture, à faire des bijoux. Ailleurs, ils peuvent apprendre tout ça, tous les métiers, comme la photographie et beaucoup d'autres choses. On s'exprime avec le langage des signes. Comme il y a les objets qui sont là, tu lui dis, par exemple, celle-là, je lui ai dit de prendre un grand, un petit, un grand, un petit. Donc, il s'adapte avec. Pour les personnes vivant avec un handicap, intégrer la société et même le milieu professionnel après leur formation constitue un véritable casse-tête. Il faut déjà que les droits humains qui sont pour tout le monde, malgré les besoins spécifiques de chaque personne, que ces droits humains soient respectés. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière, qui font des efforts, qui viennent. Vous voyez? Mais quand on voit que son pied n'est pas, ou bien on l'empêche de faire même l'essai. Ce qui est sûr, si on prend sur 10 personnes handicapées, on va trouver au moins un qui va répondre au poste. S'il est vrai que le handicap n'est pas une fatalité, la prise en compte des besoins des personnes vivant avec un handicap pose aujourd'hui encore problème. Et pourtant, le développement inclusif en faveur du handicap dans la réduction des inégalités est la seule arme pour une société plus égalitaire. C'est un incontournable dans l'alimentation quotidienne. Le pain, qu'il soit croustillant, dur, aux céréales,
Tendre, complet ou tressé, c'est un aliment de base qui revêt une importance majeure presque partout dans le monde. Il existe aujourd'hui 1001 recettes de pain. Pain d'hier et d'aujourd'hui aux recettes historiques ou récentes et souvent d'inspiration locale, suivant cet élément. Baguette aux céréales et aux graines, boules, épis, fougas. Il existe une grande variété de pains, à la fois moelleuses et croustillantes. Son goût est discret et sa croûte est fine. Ce 16 octobre, journée mondiale du pain, la communauté internationale met en lumière celles et ceux qui se lèvent tôt chaque matin pour préparer, pétrir, façonner, cuire et fabriquer in fine les pains que nous consommons au quotidien. Le pain, aliment de base traditionnel de nombreuses cultures dont l'origine est très ancienne. Il est fabriqué à partir de la farine, de l'eau et contient généralement du sel. D'autres ingrédients s'ajoutent selon le type de pain et la manière dont il est préparé culturellement d'un pays à un autre. Si la baguette de base se compose essentiellement d'eau, de farine, de levure et de sel, on pourra ajuster la recette en fonction des différentes formes et du goût qu'on souhaite lui donner. Du point de vue nutritionnel, le pain est un aliment à consommer à satiété et à toutes les occasions possibles. Il est recommandé par les agents de santé, car conseillé pour ses apports en glucides complexes, en protéines végétales, en fibres et pour sa faible teneur en matière grasse. En plus du plaisir qu'il procure, le livre permet de lutter contre l'illettrisme et d'accompagner l'être humain dans son développement global. De la place du livre aujourd'hui et demain dans la société et des réformes engagées au Bénin pour assurer la création littéraire, Happy Goudou, gestionnaire de patrimoine, nous en parle à travers cette interview. Le livre est l'instrument privilégié du savoir. Et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre. C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays, parce que le livre, avant de devenir ce document, imprimé, qui renferme le savoir, la connaissance, il passe par des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible, parce que la finalité, c'est, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre. Un, ça nourrit la connaissance, et deux, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'en jouir, donc de pouvoir se servir donc de cette connaissance-là pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là où le livre est considéré comme, une part importante du développement culturel et économique. À savoir que déjà, l'État a initié un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification qui est logé au Fonds des arts et de la culture. Donc ce projet qui vient encourager les industries culturelles. Et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un bouffet, un souffle de soulagement, donc un bouffet d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leur projet d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts.
Le 1er décembre dernier, c'était la journée internationale de lutte contre le sida. En Côte d'Ivoire, où le taux de contamination est en baisse, les personnes porteuses du VIH-Sida sont encore aujourd'hui malheureusement montrées du doigt. Un grand nombre d'entre ces personnes refusent de se faire dépister pour éviter d'être stigmatisées. Les ONG tentent de sensibiliser davantage les jeunes. Reportage. De courtes vidéos pour sensibiliser les jeunes au VIH-Sida. C'est la mission que s'est donnée Paul, blogueur de 20 ans, né avec le virus. La stigmatisation fédère. Longtemps stigmatisé, il utilise les réseaux sociaux pour aider d'autres jeunes à assumer leur séropositivité. Je veux faire véhiculer qu'aujourd'hui, à ma génération, à mes amis, qu'il est possible de vivre une vie avec le VIH. Qu'on n'a pas besoin de se stigmatiser, on n'a pas besoin de se stigmatiser. Je veux leur donner un message d'espoir pour leur dire qu'en fait, il y a de l'avenir devant soi, quelle que soit la maladie, quelle que soit ce qui se passe, il faut croire en soi et avancer dans la vie. C'est dans les collèges et les lycées que se concentrent les campagnes de sensibilisation. En Côte d'Ivoire, les 15-24 ans constituent la tranche d'âge la plus touchée par le sida. En cause, une sexualité précoce, sans protection et sans information. Pour l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, lutter contre le VIH chez les jeunes, c'est d'abord lutter contre la stigmatisation et encourager le dépistage. Très souvent, les jeunes refusent de se faire dépister parce qu'ils ont peur de connaître leur statut sérologique et ils ont peur d'être stigmatisés. Certains parmi eux nous disent qu'ils préfèrent mourir du VIH plutôt que d'être informés, de savoir qu'ils sont infectés et être stigmatisés par leur famille. La sensibilisation des jeunes passe aussi par des jeux comme ce quiz qui tord le cou aux idées reçues sur le VIH, mais aussi par la plateforme Protection pour tous où les jeunes peuvent rapporter des cas de violence. Mais pour le responsable du programme national de lutte contre le sida, le PNLS, ce n'est que le début. Certes, beaucoup de progrès ont été réalisés en matière de lutte contre la stigmatisation, mais du travail reste encore à faire. Tous ceux qui interviennent dans la chaîne de prise en charge sont en train d'être sensibilisés, formés, pour qu'elles aient un nouveau regard sur ces personnes avec le VIH. Aujourd'hui, plus de 300 000 personnes vivent avec le VIH en Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires souhaitent réduire les nouvelles infections de 75% d'ici 2025. Et c'est tout pour cette édition à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous. À bientôt.